Foutimasseur, ça vient du verbe foutimasser, qui est un verbe en ancien vaudois. Et ça signifie s'occuper à des petits riens, brasser de l'air. Et je trouve que ça définit assez bien ce que je fais. Des choses qui servent à rien, mais qui m'amusent. Du coup, je vais m'appeler David Foutimasseur. Celui qui foutimasse, le nom n'était pas pris, donc je me suis approprié. La caisse à Gaston, elle est ultra légère pour une course qui était limitée dans le poids. Le vévélolo, c'est un vélo sur un vélo. Le Gastomobile, c'est la toute première invention de Gaston Lagaffe et je suis le premier à l'avoir fait en vrai. Le car-tondeuse, une tondeuse à gazon transformée en carte. La trotte-trode, une trottinette que j'ai entièrement revisitée. Le mini-kart de Gaston Lagaffe, un karting spécial pour le bureau. Je suis en train de préparer une des inventions de Gaston Lagaffe qui est un lit voiture mais entièrement électrique pour pouvoir conduire tout en se reposant. Je trouve l'idée vraiment cool alors que maintenant tout le monde est stressé, il faut se dépêcher. Ça, je pourrais prendre le temps. Voilà, c'est bon. J'ai toujours aimé ce côté anti-héros. Le gars, on sait pas ce qu'il fait là, lui non plus il sait pas d'ailleurs, et il est dans son univers, il construit ses petites choses, et il se soucie absolument pas du regard des autres. Il fait pour lui, pour son propre plaisir. Ça va être très bien. Mes inspirations, c'est surtout basé sur le mouvement. Je fais rien de statique. Il faut vraiment que ça bouge ou qu'il y ait une notion de mouvement dedans. Il n'y a aucun but derrière, de but, je dirais, utile. C'est pas ça qui va faire avancer l'humanité. Ça me fait avancer mon rire à moi, mais il n'y a pas vraiment d'autre utilité. L'idée, c'est vraiment que je puisse créer ce que j'ai dans ma tête en vrai et puis pouvoir passer après à autre chose. Autrement, ça tourne, ça tourne, ça tourne et il faut que j'utilise mes mains pour construire. L'art, c'est compliqué, c'est trop sérieux l'art. Moi, je fais pas quelque chose de sérieux. J'arrive pas à dire que c'est de l'art, j'arrive pas à dire que je suis un artiste. Moi, je dis que je suis un bricoleur qui fait de l'art sans faire exprès. Alors, tout à la base, je faisais que de la récup pour faire mes œuvres, j'avais pas de sous. Et du coup, j'avais pas de moyens pour m'acheter de la matière ou des moteurs. Et du coup, je me dis, ben, je vais voir où je peux me servir, où je peux avoir des choses gratuites.
Il y a une partie des objets qui viennent à moi tout seul. C'est les gens qui m'amènent des choses qui traînent. Autrement, il y a beaucoup, ça vient de la benne à ferraille de mon travail. On a une grande benne où tous les morceaux de ferraille sont mis dedans pour le recyclage. Et je peux prendre dedans, pas tout, mais je peux prendre des éléments pour après faire mes bricoles. J'ai développé un sixième sens. Vu que mon établi est ici et que la benne est dehors, juste là-bas, j'entends quand quelqu'un met quelque chose dans la benne, ça fait un bruit. Un bruit particulier métallique, un peu sourd, un peu doux, comme ça. Et j'entends. Alors, je guigne, je vois qui c'est qui jette quelque chose à ce moment-là, et je sais que ça peut être intéressant ou pas. Alors ça, c'est un exemple du genre d'objet que je ramasse dans la benne. Ce sont des crampons pour glacier. Je sais pas ce qu'ils faisaient là, mais je sais pas qui les a achetés. Ben moi, je récupère. Je sais pas ce que je vais en faire. Un déguisement. Ou si par hasard je me trouve sur un glacier, sait-on jamais. Ma journée. Ça, c'est un extincteur qu'un collègue m'a amené. Il pensait que ça m'était utile, alors ça me serait effectivement utile. Par exemple, pour le lit de Gaston Lagaffe, le lit électrique, il y a un extincteur de côté, donc ça va être top. C'est pile la bonne forme. C'est ça que je trouve, que j'aime bien ici, c'est que des fois, j'y viens le matin et il y a des objets qui ont été posés sur mon établi. Des fois, je vais dans la benne et il y a des objets super cool dedans. Puis des fois, il n'y a rien. C'est vraiment l'inattendu. J'y vais, je regarde, il y a un truc bien, un truc pas bien. Mais... Alors, comme travail, je suis réparateur de locomotives au MOB. C'est-à-dire que je m'occupe de l'entretien et des réparations de toute la partie mécanique des locomotives. Donc tout ce qui est en dessous, le bogie, les moteurs, les roues, les freins. C'est vraiment mon métier, ça fait maintenant 11 ans que je fais ça. Au sein du MOB, comme mécanicien de maintenance. Il y en a, il y a du bleu. C'est un peu le type qui a plein d'idées dans sa tête, un peu en chenille et tout. Donc des fois, c'est vrai que c'est un petit peu le chenille, mais quand on voit le résultat final, non. Il y a un sacré travail, une réflexion derrière, et puis il le fait bien. Ça fait aussi voyager en enfance, parce que fait 2-3 objets sur le thème à Gaston. Et puis c'est vrai que ça rappelle des bons souvenirs quand je feuilletais les BD comme ça, et puis que je me disais « Ah, ce serait cool de pouvoir faire ça !» Et puis en fait, bah, y a quelqu'un qui l'a fait. Après, c'est vrai qu'on avait la chance pendant un moment où on pouvait travailler le soir après le travail, et puis on entendait meuler, souder, et puis on disait « Ah, ça c'est David qui bricole !» Et puis c'était rigolo à voir. Beaucoup d'artistes ici, tous différents. Je pense qu'on a tous un peu notre spécificité. Alors moi, je me considère un peu comme le petit bricoleur de l'usine. En plus, mon local est situé vraiment au centre de l'usine. Tout le monde passe par mon local pour aller dans les différentes ailes de l'usine. Donc tout le monde voit ce que je fais. Alors, il y a aussi beaucoup ce côté où j'ai l'impression que c'est pas vraiment ma place, parce que moi, je suis pas vraiment un artiste, je suis vraiment un mec qui bricole. Mais maintenant, avec le temps, voyant ce que font les autres artistes, je pense que j'ai ma place ici. Et puis, si je peux rendre service aux autres en leur faisant des petits travaux, ben c'est cool. Ça permet de les remercier de m'avoir accepté ici. Toc, toc! Y a quelqu'un? Oui! Salut, Pascal. David. Salut, Christian. Ouais, ouais. Regarde-moi ça, c'est une très belle pièce que je t'amène. Tu nous as trouvé des trésors, là. C'est des turbines de pompe à eau motorisées, je sais plus quoi. Ça, c'est des pompes à eau, hein. Ah ouais, ouais, ça, c'est déjà de la belle pompe. Tu peux en faire un frisbee avec, mais alors, faut des bons gants, hein, parce que... T'es en train de réviser quoi? Voilà, je suis en train de modifier un ancien compteur à gasoline. Ah ouais. Et donc, j'ai transformé l'intérieur de façon à ce que tous les pignons tournent.
Ah, après, mais là, c'est bon, vous mettez un moteur électrique dessus, puis ça fait déjà une sculpture. Oui, oui. Ah oui, Pascal, j'ai une petite question. Pour mon projet en bas, là, j'ai besoin de... Mais je sais pas si t'as... Et toi, sur la pointe du lit, il y a cette espèce de manivelle, de moulin à café. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose qui ressemble, ou alors peut-être juste les boules? Puis moi, je fabrique cette pièce moi-même. Alors, j'ai pas de moulin à café, par contre, j'ai des manivelles de chignol. Parce qu'en fait, moi, je les utilise pas, donc je peux t'en filer. Ah, mais à fond Ah, trop bien C'est juste pour avoir deux poignées de chaque côté. Ouais, c'est génial. Pour que le petit détail... Le petit détail... Si c'est pas... Il est exactement la même poignée, c'est pas grave. Non, mais c'est le petit détail qui tue, là. Ah, bah cool. Ah, super. Ouais. Oh, ce serait trop bien. Ça fait un petit retour sur l'investissement, là. Puis non, je pense à un truc. Ouais. Le mobile, la pompe, une fois que tu m'avais amené... Oui, de Charlet. Regardez ce que j'en ai. Elle est déjà en service. Mais non. La pompe que t'as récupérée à jamais. Alors, tu vois, c'est un mouvement, c'est là que ça doit plaisir. Ouais. Ces courroies anciennes, tu sais que j'en ai tout un stock, je l'ai récupéré dans un moulin. D'accord, ouais. Elles ont passé 100 ans, ces courroies. Ah, bah, comme la presse, en fait. La presse, ouais. Et donc, du coup, tu l'as mise à la verticale, au lieu de la garder à l'horizontale. Pourquoi tu l'as fait comme ça? Bah oui, parce que j'aime bien quand les choses anciennes qui ont toujours travaillé dans un sens, les faire travailler dans un autre sens. Des fois, ça tourne à l'envers, des fois, ça tourne bizarrement, ça va et vient. Voilà. Elle a toujours été dans l'autre sens, mais maintenant, voilà, elle est contente. Ça a changé sa nature, en quelque sorte, pour que ça devienne vraiment une sculpture. Exactement. C'est incroyable. Je suis vraiment content de voir un objet que je t'ai amené et que tu as utilisé complètement autrement. C'est une petite contribution comme ça. Avec tout ce que tu m'as déjà amené. Oui, c'est sûr. Hein. C'est vraiment quand j'ai appris à utiliser des machines que ça m'a donné envie de créer mes propres choses qui n'existaient pas dans le commerce. Mais j'avais pas la technique et c'est quand j'ai fait mon apprentissage de mécanicien de précision que j'ai pu avoir la possibilité technique de faire mes projets en vrai. Alors, j'ai construit cette sculpture cinétique pour exprimer ce que je ressentais quand mon fils a eu 6 mois. Parce que avant qu'il naisse, j'avais une idée assez carrée de ce que c'était la paternité. Et une fois qu'il est arrivé, ça a bien tout chamboulé. Et du coup, j'ai créé cette sculpture pour vraiment exprimer ce sentiment que j'avais à ce moment-là. Maintenant, les choses se sont bien arrangées, il a 1 an et demi, ça va beaucoup mieux. Mais à 6 mois, il se passait ça. Comment est-ce que tu ressens l'essence des gaffes de Gaston dans le 7e art, d'un point de vue purement philosophique? Ouais. Il faut que je me fasse une liste des inventions de Gaston que j'aimerais faire. Ah, l'aéroglisseur qui bousille le tapis. Aéroglisseur. Tondeuse. Et là, il fait du vélo avec d'une corde à sauter. Alors ça, je pense que c'est un des rares trucs que j'arriverai pas à faire pour de vrai, ça. Là, c'est un lit.
Et ça l'intéresse déjà plus. Et lit égale sieste. Non, ouais, merci. Non, merci. Ah bah toi d'ailleurs, je vais te montrer où j'en suis. Ouais. Le lit pliable que j'ai déjà soudé tout droit. Ouais. Avec les roues. Alors après, je vais devoir écarter les roues, mettre la direction à l'arrière aussi, tu vois. J'ai tout soudé ici. D'accord. Et je pense qu'il va aller à 20 km/h à peu près. Je me réjouis de te montrer ouais. ça. Je sais pas quand il sera fini, mais bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, Adèle ? Yeah. Quand j'étais enfant, c'était difficile de me faire des amis. J'étais assez, je dirais, solitaire dans mon coin où je faisais mes petits dessins au lieu d'étudier. C'est vraiment après l'apprentissage que j'ai commencé à prendre la confiance en moi. J'ai commencé à construire des choses plus conséquentes, plus visibles. Et puis que j'ai osé après montrer aux autres ce que je faisais. Et après coup, créer Footy Master pour avoir cette identité propre. À mes bricoles. Ah, les petits plaisirs de la vie. C'est moi qui le nettoie, je fais ce que je veux. J'aime bien jouer avec cette image de gars un peu stupide, qui fait des choses stupides. Mais quand on regarde bien, techniquement, c'est quand même assez abouti. Il y a une réflexion derrière. Même si l'usage de cet objet est idiot, il y a quand même derrière toute une technique utilisée pour que ça fonctionne. On dit toujours que c'est plus facile pour quelqu'un d'intelligent de faire l'imbécile que l'inverse. Et moi, j'aime bien que les gens ils me prennent pour un imbécile ou un idiot, parce que comme ça, ils me laissent tranquille. Et que quand j'ai fini le projet, ils sont encore plus impressionnés. J'aime bien cette ambivalence entre l'apparence d'une chose et ce qui a vraiment la vraie nature derrière. Je pense que je suis quelqu'un d'assez modeste, qui aime pas trop me mettre en avant et que je peux me réfugier derrière cette fausse modestie où je dis « Ah ouais, c'est un truc un peu bête que j'ai construit comme ça, alors que j'ai passé un tas d'heures à mettre en place. » C'est ça qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de but. C'est pour ça que je dis que je fais de la bricole et que je m'appelle David Footy Master. C'est qu'à part le but de m'amuser, de faire quelque chose, d'occuper mes mains, il n'y a pas d'autre but. Ah, c'est des lycées. C'est plus prudent. Ouais. Moi, je le trouve incroyable. Ça me fait rire. Je le vois se marrer, ça me fait marrer aussi. T'as même pas un petit peu peur? Oui, ben, j'ai peur, mais je sais que tu calcules les risques. Alors ça va. Ouais. Il n'y a jamais rien eu, donc... Et moi, je suis trop sérieuse, alors il me... Il me, comment dire, je te rends folle. Putain, tu me sérieuses. C'est ça. On s'est bien trouvé, je pense. Voilà. On a trouvé un bon équilibre entre ma folie et ta sérieusité. C'est ça.
pense que le monde est assez triste ces temps, qu'il faut qu'il y ait de la vie, qu'il y ait du rire. Et puis moi j'aime bien rigoler, donc vu que je trouve pas dans le monde ce que j'ai besoin pour rire, je le fabrique moi-même pour me faire rire moi-même. Ah, j'ai perdu la direction. Il semblait bien qu'elle tirait un peu beaucoup sur la gauche. Je dois vraiment enlever tous les rivets pour récupérer la partie en métal qui sera vraiment adaptée au diamètre du disque pour que ce soit esthétiquement joli et qu'il y ait une sorte d'harmonie mécanique. Sauf que ces rivets, ils sont trop bien fixés. Numéro 12. Bien réussi celui-là. Ouais. Top, top, top. Nico. Viens voir, j'ai une petite surprise. Allez. Non, j'arrive. T'es où? T'es sérieux? C'est ma dernière création, je dis, ça pourrait être cool génial. De l'être aîné avec toi. Ce sera la première fondue dans l'atelier, quoi. C'est vrai? Ouais. Ok. Plus avec le blanc. Ça, c'est le caclon numéro 12. Il y a un disque de frein. Ah, puis, attends, là, je te montre juste le logo. Hop, ça. Okay. Puis, j'ai un nouveau poste à souder qui soude par point au lieu de souder par le fil. Alors, quand je suis arrivé en 2016 ici à l'atelier, le souhait que j'avais, c'était de rencontrer un fou et. Puis voilà. Oh, bah, y a David qui est arrivé une année après et je trouve ça juste magnifique parce que c'est, aujourd'hui maintenant on forme quasiment un binôme dans certaines créations. Et tu peux y aller. Et lui, il, au niveau mécanique, bah, c'est ce que j'avais besoin pour aussi créer des sculptures cinétiques. C'est vrai que moi je t'ai amené un peu ce côté technique qui te manquait. Et puis toi, tu m'apportes tout le côté artistique, communication, gestion des expositions et tout, que moi j'avais absolument aucune idée. Dans ma première exposition, c'était grâce à toi. Hein. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que tu pourrais? Bien sûr que je peux. Je t'ai pas encore dit ce que je devais faire, mais je peux quand même. Tout n'est qu'inspiration. Exactement. Mais là, c'est génial parce que. C'est vrai qu'elle est hyper cool celle-là. J'aime bien ce côté hyper coloré. Après, elle a pu embêter là, tout le long de l'exposition. C'était parfait, c'était juste un petit, le petit caoutchouc là qui est embêté. Ah ouais. C'était il y a 2 ans, non? L'année passée. L'année passée. Ah ouais. J'ai une notion du temps. Le temps passe vite. Oui. C'est cool qu'elle ait tenu le coup. Donc voilà, ça je pense ça résume bien nos deux univers. C'est ça qui est génial. Allez. Merci en tout cas pour ce cadeau. Mmh. Un des plus. Ouais, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Ça faut le dire. Dès que c'est la création, j'adore. Ouais. C'est les plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir. Alors santé, hein. À nos succès artistiques.
n'avez absolument aucune idée de ce que je ferai plus tard. Pour l'instant, je sais pas où je vais. Jour après jour, projet après projet, après on verra.